Eh bien, salut les gens, c'est Nankador. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en R&D. Donc, c'est vrai que c'est pas souvent que je fais du R&D. Je suis avec la T25, avec une poignée ergonomique, un silencieux, et il me semble une balle blindée. Oui, il me semble. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour ce gameplay qui est, comment dire, il est pas très spécial, hein, je tiens à le dire, parce que à la base, je devais reprendre parce que ça fait maintenant 3 semaines que j'ai plus fait vidéo. À la base, je devais faire une vidéo sur Ghost et logiquement, ce serait mon retour en fait sur Ghost pour mes vidéos. Et après, il y a un abonné que je parle souvent avec lui, bah, qui est même un ami plutôt. Il me disait oui, mais si tu fais plus de vidéos, ça sert plus à rien parce que déjà, il y en a qui vont se désabonner et puis il faut encore attendre 2 semaines, donc ça fera presque un mois, voire un mois et demi que tu feras plus de vidéos. C'est vrai, il a pas tort. C'est vrai qu'après il y en a qui vont se désabonner parce que au début, je vais pas vous le cacher, mes abonnés c'était sûrement mes amis, il y avait personne que je connaissais. Maintenant j'en ai 64, donc il y a bah, des gens que je connais pas qui sont abonnés et d'autres qui se sont abonnés, qui ont même demandé en échange que je m'abonne. Donc c'est après t'es rendu. C'est vrai, il a pas tort, il a pas tort. Donc ici j'ai fait une vidéo, ouais, je me suis dit bon, j'ai fait plutôt une belle partie. Pour l'instant, je fais du 4-0. Allez, autant proposer une vidéo. Comme ça, ils vont savoir que je suis toujours là. À la base, j'avais vous présenté une vidéo sur le sniper avec le balista. Je ne l'ai pas fait. Ensuite, j'avais proposé une vidéo 50 abonnés sur le casque, le Turtle Beach P11. Je ne l'ai pas fait non plus. Pour des raisons, ben, pour des raisons que la vidéo était mal faite. Et puis, en même temps, si je voulais faire une vidéo, j'avais pas vraiment le temps parce que j'ai eu 2-3 problèmes dans la vie sociale. Pas problème santé, mais juste social. Donc j'ai eu 2-3 problèmes et je pouvais pas souvent être là. J'étais souvent absent et le peu que je jouais sur GTA. Et c'est tout. Donc ici, je fais du 6-0, je tiens déjà à vous le rappeler. Et donc souvent, quand je rentrais, je jouais direct à GTA ou quand j'avais un petit peu le temps, je jouais à Black Ops 2, mais je pouvais pas trop faire de vidéos. Et puis ça se voit un petit peu mon shoot que je joue plus vraiment à Call of Duty. Je passe beaucoup de temps sur GTA. GTA qui aussi quand moi je trouve qu'on joue beaucoup avec, je sais pas, mais je trouve que moi il commence un petit peu à me délasser le multijoueur. Même si je suis niveau 37 ou 38, moi je trouve que j'ai un peu trop joué avec. Il est un peu délassant à la fin parce que moi j'ai une petite astuce pour gagner beaucoup d'XP si vous voulez. Je ferai une vidéo un jour pour comment gagner de l'XP, c'est assez facile. C'est pas un bug, hein, c'est simplement un petit mode. Enfin, le mode que je parle là, peut-être que tout le monde le connaît sur GTA, d'autres non. Donc je reviens au gameplay, c'est pas GTA qui importe aujourd'hui, c'est ce gameplay. Donc à la base, comme je vous l'ai dit, je devais reprendre mes vidéos sur Ghost. Pour finir, je l'ai repris sur cette petite vidéo, mais ce sera certainement ma dernière vidéo peut-être sur Black Ops 2. Ou un jour, je reviendrai sur Black Ops 2, mais juste ainsi. Généralement, c'est, enfin, pour moi, Black Ops 2, c'est ma dernière vidéo, point barre. Voilà, autant dire ça, parce que sinon, si je rentre dans les débats, ça sert à rien du tout. Donc là, je suis à 7-2, donc, c'est une manche, je pense qu'on va gagner, là, nous sommes en fait en train de faire du 2-1. J'étais pas en ligue, hein, parce que la ligue, j'ai pas trop accroché ce mode de jeu, et puis j'étais tout seul, donc, moi, la ligue, j'aime bien quand on est entre teams et tout, quand on est 4 potes à aller sur la ligue, mais tout seul, j'y vais pas parce qu'il y avait personne de connecté ce jour-là. En plus, il était assez tôt, il était 9h30 du matin, donc souvent, soit ils sont à l'école, soit ils travaillent, donc c'est un peu chiant. Là, nous faisons du 3-1. Donc, pour moi, enfin, je vais dire d'abord comment Black Ops 2 a été pour moi. Je dirais, il y a eu des hauts et des bas. Au début, en fait, le jeu, je l'aimais bien, j'étais assez accrocheur dessus. Ensuite, disons qu'il y a eu la petite communauté pathétique, je veux dire ça, qui est venue s'incruster dans le jeu. Sur Go, ça va être pareil, hein, de toute manière, la première semaine, ça, il va être super, et la deuxième, bah, disons qu'il va être, il va être moyen, on va dire. Entre parenthèses, j'ai même pas vu que le mec était rentré dans l'ascenseur. Étrange. Donc là, nous faisons du 3-1, donc la vidéo va bientôt terminer, hein. Elle était pas si longue que ça, j'avais pas besoin de tout expliquer, juste vous dire que voilà, ma prochaine vidéo ça sera sur Ghost. Et peut-être que je vais reprendre aussi les activités de secret sur GTA 5. J'en ai vu 2-3.
ils sont pas si mal que ça, ils ont pas été découverts par moi, ça je tiens à dire, je vais pas vous mentir, ils ont pas été découverts par moi tout simplement. Donc je verrai bien. Sur Go, ça c'est sûr et certain, je ferai des infectés, parce que normalement il y aura le mode infecté, je dis bien normalement. Après la domination, ce que vous voulez derrière, je dirai aussi mon sentiment, enfin mon avis sur ce jeu, tout ça. Allez, je vous laisse, donc passez tous une bonne journée, bonne soirée, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et je vous dis à plus, allez, ciao ciao!